Oh,
Oh, what a day!
En disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel et qui n'est point portée les joues. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Verset 4. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec les doigts. Il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Les sacrificateurs prendront du bois, des cèdres, des lisons et du cramoisi et il le jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache.
Le sacrificateur lavera ses vêtements, lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans les camps et sera impie jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau, lavera son corps dans l'eau et il sera impie jusqu'au soir. Verset. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à qui de sa parole. Amen. Et vous asseoir. Une fois de plus, je vous salue à le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Nous sommes en train de parler de notre sujet dans sa présence et j'avance à la gauche, droite. Nous avons déjà vu que le but pour lequel Dieu nous a créé sur cette terre, c'est pour l'adoration. Je n'ai pas entendu l'amen. Dieu avait des anges qu'il adorait, mais Dieu a préféré avoir les hommes pour l'adorer réellement aussi. Ainsi que si nous avons été créés, on a vu ces choses dans la pensée de papa, il cherchait, dans la pensée d'Élohim, il cherchait des gens qui pouvaient l'adorer. Et nous avons trouvé grâce pour cela. Dieu nous a créés pour l'adoration. Ainsi nous sommes en train de voir comment pouvons-nous être des véritables adorateurs. Ainsi que je suis en train d'aller à gauche et à droite, parce que tout le monde adore. Beaucoup de gens adorent. Mais madame dit, nous sommes dans un âge de la grande séduction. Oui. Je n'ai pas entendu amen. L'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de la séduction. Amen. C'est l'âge où le diable est adoré par des millions de personnes. L'antéchrist est adoré par des millions de personnes sans le savoir. Mais toi et moi, nous avons trouvé grâce. Nous avons connu celui qui doit être adoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moi, où le monde entier s'est rentré d'adorer le diable, nous, Dieu nous fait grâce. Nous, Dieu nous envoie un prophète. Nous, Dieu nous donne la lumière à connaître que le Créateur des cieux et de la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui doit être adoré et le seul adorable, le seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, j'insisterai toujours, du lever du soleil, au coucher du soleil, il n'y a pas un autre Dieu. Il est le seul et le véritable Dieu. La Bible dit, y a-t-il un autre Dieu? Je n'en connais point. Y a-t-il un autre sauveur? Je n'en connais point. C'est moi qui ai prédit, c'est moi qui sauve. Donc c'est l'Éternel qui a prédit les choses. C'est l'Éternel dans son théâtre. Amen. C'est l'Éternel dans son jeu. Mmh. Alléluia. Amen. C'est amen. Dieu amen. Dans son jeu de théâtre. Exact. C'est Dieu dans son jeu de mise en scène. Mmh. Ce que nous sommes en train de voir a été déjà. Amen. C'est, si nous sommes sauvés, ce n'est pas maintenant que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Amen. Nous accomplissons seulement les Écritures. Amen. Nous sommes sur la terre pour accomplir ce que Dieu a déjà fait. Ouais. Mais tout est déjà arrêté par le sang. Oui, ça fait révéler les gens. Amen. Quand on dit qu'il y a des gens qui sont sauvés. Oui, il y a des gens qui sont sauvés. Amen. Nous prêchons l'évangile comme si tout le monde est sauvé. Mais il y a un peuple qui est sauvé. Amen. Alléluia. Il y a un peuple véritablement sauvé. Amen. Ce peuple-là, c'est toi et moi. Amen. Ce peuple-là, c'est toi et moi. Parce que Dieu, en cet âge, il a confirmé ton salut. Amen. Tout le monde adore. Mais ils ne connaissent pas ce que Dieu a fait aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent aller dans les églises. Ils peuvent danser. Ils peuvent chanter. Ils peuvent crier. Mais ils n'ont pas vu ce que Dieu a fait. Amen. Et ce que Dieu a fait, il a fait à l'église. Amen. Ce que Dieu a fait, il a monté à Abraham, à Sodome et Gomorrhe, il n'a rien montré. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est descendu aujourd'hui. Amen. L'ange est descendu aujourd'hui.
esprit. Amen. L'épouse n'est pas seule. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec l'époux. Amen. Amen. Nous sommes avec la parole. Amen. Nous sommes avec l'ange. Amen. Nous sommes avec la colonne de feu. Amen. Nous sommes avec Dieu. Amen. Non, je n'ai pas bien parlé. Dieu est à nous. Amen. Amen. Ok, ok. Amen. Dieu est dit, il est dans le cœur. Oui. Yes. Amen. C'est exact. Dieu est dans son peuple. Amen. William Branham a dit, la divinité n'est pas au ciel. Amen. Non. Amen. Elle est sur la terre. Amen. Amen. Dieu n'est pas au ciel, Dieu est dans les cœurs de croyants. Amen. Dieu est dans son église, épouse. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je suis en train de montrer comment pour nous devenir des véritables adorateurs. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Amen. Amen. Comment pour nous devenir des véritables adorateurs? Bien. Frère Branham dit, en lisant cette écriture de Nombre 19, on préparait ce qu'on appelait l'eau de purification. Dieu avait ordonné à Moïse, à Aaron, aux enfants, pour les enfants d'Israël, il avait dit, vous allez prendre une vache. Vous allez prendre cette vache. Écoutez ce qu'il dit. Parle aux enfants d'Israël qui t'avaient une vache rouge. Une vache rouge. Amen. Hein? Amen. Et qu'est-ce qu'on va faire? Cette vache-là sera sans tache. Et sans défaut corporel. Mm. Qui n'est point porté du joug. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que toutes les écritures parlent de Jésus. Amen. Amen. Chaque type que vous allez voir dans les Écritures, on parle des oiseaux de purification, on parle des bêtes de purification, c'est Jésus qui dit. Amen. Lui qui est typifié dans ça. Mais dans l'Ancien Testament, c'est des types. Israël faisait ces choses, il ne comprenait pas. Oh, mais merci Seigneur pour un prophète. Amen. Nous, nous avons compris. Amen. Israël, même si je parle, ils vont encore recommencer quand ça sera le temps. Oui. Quand ils vont recevoir, avant qu'ils reçoivent les deux prophètes, Élie et Moïse, oui. Ils vont reprendre les sacrifices des sangs, des taureaux et des boucs, alors que les deux prophètes apparaîtront chez eux. Alléluia. Vous leur dites non, ce n'est plus ça. Oui. Voilà l'explication. Amen. La parole. Amen. Le véritable sang. Oui. Donc Israël faisait ces choses, il ne comprenait pas. Mais le sens était réservé à nous. Amen. Amen. Le Seigneur dit, vous remettrez cette vache-là au sacrificateur. Donc, vous devez prendre cette vache rouge, rousse, sans tache, sans défaut corporel. Mm. Alléluia. Bien la tester, voir comment elle est. Elle n'avait jamais porté un joug. Alors, on la met au sacrificateur Yézard, qui la fera sortir du camp et on les congéla devant. On devra mener cette vache et puis on l'égorge. Les sacrificateurs, les arts, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient du sang de la vache avec les doigts et ils faisaient cette fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Donc ils prenaient son doigt, ils plongeaient dans le sang à la vache et cette fois. Sur un temps. Et amen, amen. 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia! Amen. Il faisait ces choses, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il faisait expiation cette fois. Il bouge son doigt dans le sang, il fait une fois, deux fois sur la tente, trois fois, quatre fois, jusqu'à cette fois, pour dire que les sept âges de l'église qui vont venir. Yeah. Amen. L'expiation, le sang de Jésus couvrira les sept âges de l'église. Amen. Le sang fera expiation de l'épouse durant les sept années. Yeah. Il faisait l'expiation. Écoutez, on devait brûler la vache sous ses yeux, on prenait la peau, etc. Le sang, les excréments, les sacrificateurs prenaient du bois. Et il prenait aussi du bois de cèdre. Alléluia. Amen. De l'hysope, des cramoisies, tout ça, ça typifie le Seigneur Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les jetait au milieu des flammes qui consumaient la vache. Alléluia.
Et rapidement, un homme pur, il devait recueillir le sang de la vache. À la fin de tout, on prenait le sang de la vache et les hommes pour la vache, c'était tout ça, on recueillait tout ça. Et on les déposait hors du camp dans un lieu pur. On conservait cela pour l'assemblée des enfants d'Israël. Pourquoi cela? Afin de faire l'eau de purification. Amen. On gardait cela hors du camp. On préparait cela comme une autre de purification. Le prophète me dit, personne ne peut adorer le Seigneur Jésus sans passer par le sang. Amen. Amen. Un véritable adorateur passera par le sang de Jésus. Amen. Nous sommes dans l'âge où Dieu cherche de véritables adorateurs. Amen. Jésus a dit à la femme, « Femme, je te dis, l'heure vient, elle est déjà venue. » Alléluia. Amen. Où les véritables adorateurs, Jésus lui dit, il y a des faux adorateurs. Amen. Ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Il insiste, il dit, parce que ce sont ces adorateurs-là que le Père cherche à Amen. Amen. Ce sont ces adorateurs-là que Dieu cherche. Dieu a besoin de ces adorateurs. Amen. Ceux qui doivent adorer en esprit et en dans la vérité. Amen. Parce qu'il dit, parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Amen. Dieu, il est esprit. Pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit. Amen. Donc, pour l'adorer, le véritable adorateur, le vrai adorateur, il doit passer par le sang. C'est obligatoire. Amen. Amen. Ils ont certains par les eaux, certains par le feu, certains par l'épée, mais tous par le sang. Dieu lâche les épreuves. Alléluia. Amen. Dieu envoie les épreuves dans la vie de ses enfants. Certains passent par le feu, certains passent par l'épée, certains passent par etc., etc. Mais tous passent par le sang. Et j'avais montré cette écriture, écoutez ce que le prophète dit. C'est dans le message notre position en Christ. Et c'est que Dieu va faire de très grandes choses aujourd'hui. Amen. Je répète, Dieu va faire de très grandes choses aujourd'hui. Amen. Je répète, Dieu va faire de grandes Amen. Choses aujourd'hui. Amen. Si vous ne voyez pas ça avec les yeux, vous allez le voir. Écoutez. C'est facile pour moi de comprendre. Quand vous venez à l'église, vous sentez, il y a une barrière, le diable a peur. J'ai dans ma femme, il a peur aujourd'hui. Parce qu'on va les frapper. Amen. Correctement. Vous allez lui donner toute rétude. Le diable ne va recevoir de toute rétude. Et je vais vous montrer là où il faut les frapper. Quand vous luttez dans le sport, là, on ne lutte pas à dos. Là. Non. Dans le sport, on monte de place, il faut frapper. Bon. Amen. Donc quand vous luttez avec les diables, il faut savoir vous frapper très fort. Amen. Comme ça, c'est cool. Amen. Je vais montrer ces lieux-là. Amen. Un croyant ne peut pas adorer. Il n'a pas le droit d'adorer. Aucun homme n'a le droit d'adorer le Seigneur s'il n'est pas dans les corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. C'est paragraphe 21. Dans notre position en Christ. Le prophète dit que un adorateur, un croyant, vous n'avez pas droit d'adorer. Vous ne pouvez même pas adorer si vous n'êtes pas dans le corps du Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le corps. Quand vous êtes dans le corps du Christ, vous êtes passé par la justification, la sanctification. Vous êtes entré dans le baptême du Saint-Esprit pour devenir adorateur. Amen. 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 Au cas contraire, fort, vous êtes affaissé par du fait de bruit seulement dehors. Les gens qui sont en dehors du sang, qui sont en dehors du corps, ils font du bruit. Mais la vraie adoration, c'est dans le corps. Amen. Donc, quand vous n'êtes pas dans le corps du Christ, quand vous n'êtes pas entré dans son corps, quand vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, l'adoration devient nulle. Amen.
Amen. Amen. L'adorateur, le croyant n'a même pas le droit d'adorer. Ça dit que Dieu n'exauce même pas. Amen. Dans le message, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Le saint prophète dit, tu peux voir une jeune fille ou un jeune garçon. Il prie, il n'a pas de prière qui soit exaucée. Alléluia. Amen. Il ne fait rien de mal. Mais quand il prie le Seigneur, il n'a pas de suite. Il prie, il n'a pas de suite. Le prophète dit, attendez seulement qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Les prières changent. Amen. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, quand il commence à prier, il va devant Dieu réclamant son droit. Amen. C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit. Quand il avance devant la face du Père, il sait que Dieu c'est mon Père. Il ne va pas devant la face de Dieu en train de pleurer. Il avance comme un enfant qui demande quelque chose à son Père. Amen. Si vous avez un enfant, c'est papa, il a un enfant, il a des enfants, des enfants. L'enfant vient pour demander le minerval à son père. Mais papa, donnez-moi le minerval. Il y a un sale papa. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'enfant connaît que c'est mon père. Papa, à l'école, on demande le minerval. Ah, je vois comment c'est papa. Les enfants, nous sommes avec lui, les enfants viennent. Papa, je te mets, on demande l'argent à l'école. Hein. Il dit, je connais ça. Non, papa, il faut l'argent à l'école. Alléluia. Hey, ils avancent devant leur père. Avec droit, sachant que c'est notre Père. Amen. Quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit, il avance devant Dieu comme étant son Père. Amen. Il réclame ses droits. Yes. Il ne pleure pas, il prend ses droits. Amen. On ne peut pas adorer Dieu sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Un croyant ne peut pas adorer en dehors. C'est en Cana où il y a tout. Exact. Vos bénédictions sont en canard. Okay. Vos bénédictions sont dans le corps du Christ. Amen. C'est là où il y a toutes les bénédictions que Dieu vous a préparées. Entrez en canard. Entrez dans le corps. Entrez dans le corps du Christ. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, alors maintenant on peut commencer. Maintenant, c'est quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, alors le voyage a vraiment commencé. Là, tu peux chanter. Naina Zimbago, Gunana Lola, Bene na Yeso, Bene. Oui, là, par exemple, quand il est arrivé à ça, quand il chante. Et d'entrée. T'as dit que t'as commis ici quand même. Amen. Donc, nous luttons. Amen. Amen. Nous luttons, mon frère. Nous luttons, ma soeur, pour pouvoir entrer. Amen. Venez à l'église, que Dieu vous bénisse. C'est un pas. Amen. C'est indispensable, mais ce n'est pas fondamental. Amen. C'est-à-dire que venez à l'église, tu as bien fait, que Dieu te bénisse, mais fais encore un pas. Amen. Parce qu'à l'église, tu peux rester. Amen. À l'église, on peut rester. Ça, c'est vrai. L'allemand vient, tu restes. Mais à l'école, on reste. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous ne cherchons pas à faire des prosélytes ou des fanatiques dans l'assemblée. Nous cherchons ce que vous entrez dans l'école. Amen. Que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. À ce moment-là, le Dieu de William Branham devient votre Dieu. Amen. À ce moment-là, vous adorez, il écoute. Amen. À ce moment-là, il vous parle et vous répondez. Amen. Vous lui posez la... Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, on lui pose la question, il lui répond. Bon. Dieu est avec l'église. L'ange est avec l'église. Yes. On lui pose des questions, il est répond. Amen. Alléluia. Dieu veut marcher avec toi comme ça. Yes. Tu ne peux pas adorer en dehors du corps. Non. Tu ne peux pas adorer si tu n'arrives pas. C'est dans le corps du Christ où il y a la vraie adoration. C'est quand tu viens. Tu entres ici dans le corps. Amen. En dehors, ce sont les maquereurs. Ça, c'est vrai. C'est lui qui est ici, même quand il chante, le ciel s'ouvre. Alléluia. C'est lui qui est ici, quand il prêche, le ciel s'ouvre. Amen. C'est lui qui est ici, quand il témoigne, les trônes bougent. Amen. Toutes vos bénédictions sont ici. Amen. On n'a pas compris.
Les bénédictions que Dieu vous avait réservées avant que vous veniez au monde sont ici. Amen. C'est ici qu'il y a votre position. Yes. C'est ici où il y a tous les dons. Amen. C'est ici où il y a l'adoption. Alléluia. C'est ici où il y a même la richesse de Dieu. Amen. En Canaan. Amen. Dans le pays. Dans le corps. Amen. Personne ne, comme Adam dit, les croyants n'ont pas le droit d'adorer. Il ne peut même pas adorer s'il n'est pas dans le corps. Amen. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Donc Pierre était toujours un païen, mais marchait avec Jésus. Oui. Un païen, mais il n'était pas encore arrivé. Jésus lui dit, Pierre, quand tu seras converti, parce que si quelqu'un n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il n'est toujours pas converti. Amen. C'est en recevant le baptême du Saint-Esprit qu'on devient maintenant converti. Amen. C'est en recevant le baptême du Saint-Esprit, maintenant on est dans le voyage. Amen. Mais Dieu va vous amener ici. Amen. Le souci de Dieu, c'est vous amener ici. Amen. Tu peux ne... Dieu va t'amener ici. Amen. Tu es préparé pour arriver ici. Amen. Parce que tu es comme un verre qui a été ramassé. C'est la justification. L'étape suivante, le verre, il est lavé, sanctifié. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous nettoie, Dieu qui vous a ramassé dans le monde avec des convoitises, des mensonges, des critiques, l'adultère, tout, Dieu vous prend tel que vous êtes. Exact. Dieu vous choisit tel que vous êtes. Amen. Dieu nous a ramassé tel que nous étions. Amen. Ce n'est pas que nous étions parfaits quand Dieu nous a ramassés. Dieu nous ramasse tel que nous sommes. Amen. Mon frère, Dieu t'a ramassé tel que tu es. Amen. Parce que Dieu t'a ramassé tel que tu es. Amen. Dieu t'a vu comme cela. Amen. Les gens peuvent compter et dire, mais nous les connaissons, Dieu t'a ramassé. Dieu a trouvé grâce devant toi. Amen. Maintenant, lui qui vous ramasse, le fait de vous ramasser, signifie qu'il vous a justifié devant les gens. Yes, c'est-à-dire que pour lui, tu es juste. Alléluia. Amen. Pour les gens, ils peuvent compter ce qu'ils connaissent, mais pour Dieu, tu es juste. Amen. Tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as eu ton baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus, tu es juste. Amen. Tu es une femme juste. Amen. Tu es une femme juste devant Dieu. Amen. Justifiée. Et frère, madame dit, qu'est-ce que c'est qu'être justifié? C'est-à-dire que quand Dieu vous regarde, c'est comme si vous n'avez jamais péché. Amen. Oui. C'est pas moi. C'est Dieu. Amen. 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 Je n'ai rien à voir avec ça, c'est Dieu. Amen. On ne peut pas cacher l'évangile. Non. L'évangile est vrai. Ouais. Il faut présenter l'évangile tel qu'il est. Amen. Quand Dieu vous appelle, vous écoutez sa voix, vous recevez les baptêmes dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus, Dieu vous justifie. Amen. C'est-à-dire, Dieu vous pardonne. Yes. Non seulement il pardonne, l'épouse est justifiée. Amen. Et vous arrivez à cette étape de la sanctification, quand vous écoutez la parole. Amen. Une parole qui est prêchée avec la puissance de Dieu. Amen. Une parole du sang et du feu. Quand cette parole sort, ça vous enlève les racines. Amen. Ça brûle les racines en vous. Le mensonge, les racines du mensonge, les racines d'adultère, les racines des critiques, les racines des convoitises, toutes ces racines-là, c'est quand vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Dieu brûle cela. Amen. De voiler les démons qui vous dérangent. Vous qui êtes à côté, n'écoutez pas. Amen. Quand quelqu'un prie, il ne faut pas écouter. Priez vous-même. Amen. Les démons, quand vous priez, il ne faut jamais les cacher. Non, non, il faut les dévoiler. Alléluia. Ton esprit d'adultère, ton esprit de mensonge, ton esprit de critique, ton esprit de convoitise. Je n'ai pas de paix. Tu me déranges comme ça. Tu dois partir au champ. Toi, esprit de la colère, tu me déranges, tu dois partir. Si toi tu écoutes, c'est ton problème. Alléluia. Elle est en train de combattre. Tu vas rester. Elle est en train de combattre. Elle est en train de combattre. Esprit de mensonge, toi tu me déranges. Esprit de soupçon, tu me déranges. Esprit, vous combattez. Oui, combattez. Les démons, il faut les dévoiler par exemple. Alléluia. Il faut les citer, il ne faut pas les parler. Non. Quand vous les parlez, il ne parle pas. Amen. Quand vous ne citez pas son nom, il est Amen. Il est content. Le père que tu le cites, il y a le sortir de ma vie. Amen. Libérez ma vie. Oui. Libérez ma vie au nom de Jésus. Amen. Tu vas partir aujourd'hui. Il va partir. Amen. Dieu brûle les racines de ces choses. Alléluia. Dieu consume les racines de ces choses. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un peut être baptisé ici.
Dieu l'a pardonné, mais les racines qui lui faisaient faire les mauvaises choses sont encore en lui. Yes. Si vous verrez quelqu'un qui a reçu le baptême, il continue peut-être à boire, mm-hmm. ou il continue à fumer. Ah, mais ses frères, non, priez pour lui. Amen. Priez pour lui. Amen. Cette histoire, on ne comprend pas. Non, priez. Yeah. Exhortez-la. Amen. Oui. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu as eu le baptême, vraiment? Oh. Non, priez. Amen. Amen. C'est le chemin. Amen. Il est né. Amen. Un enfant, le bonhomme dit, un enfant, quand il vous avez un enfant qui marche, ah, je ne sais pas moi, mais vous soyez très méchant. Mm-hmm. Un enfant qui marche, il te tue, il tombe. Yes. Toi, tu le prends. Toi, tu ne sais pas marcher, toi. Marche bien. T'as pas la main. Amen. Qui est méchant. Amen. La madame dit, on prend l'enfant, on le relève. Amen. Et papa, maman, on marche doucement. Hein? Amen. Faut pas courir, hein. Amen. Marche. C'est la même chose avec Dieu. Yes. Nous essayons de marcher, amen. De mettre les pas. Quand tu fais l'erreur, Dieu te redresse. Amen. Aie courage, marche encore. Amen. Marche encore. Oui, tu marches, tu marches. Dis donc, redresse-toi. Marche encore. Tu vas arriver. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quelqu'un peut recevoir le baptême, je disais, et il a des habitudes sales en lui. Mm-hmm. Ces habitudes là partent par la prédication de la parole. Oui. C'est pourquoi il faut toujours venir écouter la parole. Amen. Le vendredi, je pompe les prières. Alléluia. J'aime la prière. Amen. La force d'une église, c'est la prière. Amen. La force d'un croyant, c'est la prière. Amen. L'année 2015, nous allons prier. Yes, sir. Nous allons prier. Amen. Et Dieu bénisse. Nous allons prier parce que le ciel souffre. Ah. Yes. Une église doit prier. Prier pour entrer la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la prière où vous recevez ce dont vous avez besoin. Amen. C'est dans la prière où Dieu répond vos besoins. La prière change les événements. Yes. Alléluia. Hey. La prière peut changer la décision de Dieu. Amen. Dieu a pris une décision pour faire ça. Toi, tu pries, Dieu arrête. Amen. Amen. Tu es capable de changer la décision de Dieu. Amen. Tu es capable de changer la décision de Dieu. Par ta prière. Alléluia. Maintenant, quand toutes ces racines-là sont enlevées, madame dit, vous êtes un candidat maintenant pour le baptême du Saint. Alléluia. Et madame dit, le baptême du Saint-Esprit, il vient comme un remplissage. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un remplissage. Dieu vous remplit. C'est une expérience. Dieu vous remplit, vous sentez, Dieu vous remplit. Amen. Exact, exact, exact. Amen. Amen. Dieu remplit, vous sentez l'expérience du remplissage. C'est une réalité. Amen. Dieu remplit ses enfants. Amen. Et si nous sommes, Dieu est en train de remplir ses enfants. Amen. Si tu es prêt, Dieu va te remplir. Hey, c'est une expérience. Alléluia. Dieu vous remplit. Hey. Amen. Vous allez les sentir vous remplir. Amen. Amen. Ce sont des réalités. Amen. Ce sont des choses réelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, vous êtes maintenant un candidat au baptême du Saint-Esprit. Pourquoi il fait ça? C'est pour vous utiliser. Amen. Le but de Dieu, c'est de vous utiliser. Amen. Vous êtes son serviteur. Amen. Vous êtes sa servante. Amen. Tu as un travail avec toi. Yes. C'est pas seulement avec le pasteur. Toi aussi, tu as un travail. Amen. 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 Tu as un travail avec Dieu. Amen. Dieu veut que tu avances, il te remplit. Tu commences le travail. Yes, tu peux ne pas prêcher, mais tu peux prophétiser. Amen. Tu peux ne pas, tu peux avoir des visions. Yes. Alléluia. Amen. Les gens prêchent aux églises. L'adoption. L'adoption. Adoption sans passer par le baptême du Saint-Esprit. Non, là, c'est l'adoption, frère. L'ange, l'adoption. Mais l'adoption sans passer au baptême du Saint-Esprit. On passe au baptême du Saint-Esprit. Alors, vous entrez dans l'adoption. Les églises rejettent le baptême du Saint-Esprit, mais il va parler de l'adoption. Amen. Quelle adoption, ça? C'est un processus. Amen. Amen. Exact. Dieu Amen. Vous attend ici. Amen. Dieu veut vous utiliser. Ma soeur, Dieu a besoin de vous. Dieu peut te remplir ce matin. Dieu a besoin que quand nous sommes assis, vous pouvez être assis avec votre soeur, toi tu reçois une vision. Amen.
Jésus, Jésus. Qu'est-ce que je vois du monde de la chair? Oui, toi, tu peux voir. Amen. Le côté ne peut pas voir. Yes. C'est une grâce que tu as. Amen. Nous avons besoin des gens qui sont vrais. Des gens qui s'étonnent afin que Dieu les remplisse. Amen. Est-ce que vous voulez que Dieu vous remplisse? Oui, oui, Seigneur, 2015, je dois être rempli. Amen. 2015, c'est mon tour. Amen. 2015, c'est pour moi. Amen. Seigneur, c'est le moment. Amen. Seigneur, c'est le moment. Papa, c'est le moment de me remplir. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Papa, c'est le jour de me remplir. Alléluia. Oui, oui, toi, vous remplir. Amen. Tu n'es pas spectateur, non. Tu es un acteur. Amen. Dans le royaume des dieux, il n'y a pas de spectateur. Non. Chacun a un rôle à jouer. Amen. Vous avez un rôle à jouer, mon frère. Alléluia. Un rôle à jouer, ma soeur. Yes. Donc, en dehors du corps de Christ, tu ne peux pas adorer. Ah. Tu n'as même pas le droit d'adorer. Comme madame dit ceci. Écoutez, merci Seigneur. Donc, j'avais montré ça dans l'Ancien Testament. Excusez-moi. Dans l'Ancien Testament, Israël n'adorait pas n'importe où. Non, non. Alléluia. Ah. Amen. Ancien Testament, Israël, Dieu avait préparé un lieu pour l'adoration. Ça, oui. C'est vrai. Amen. Dieu avait préparé un lieu là où il peut écouter les prières. Amen. Donc c'est lui qui restait à la maison, faisant les prières ne montaient pas. Mm-hmm. Il fallait courir aller au lieu que Dieu avait choisi. Amen. Et Dieu avait placé son nom. Amen. Alléluia. Amen. Ces lieux-là, c'était au tabernacle. Amen. Pourquoi Dieu écoutait les prières là-bas? Dieu avait prévu ces lieux-là, c'est parce que là-bas, il y avait le sang. Amen. Dieu n'écoute les prières que sous le sang. Amen. Regardez, le sang est ici. Yes. Amen. Dans le corps de Christ. Amen. C'est ici où c'est fait le travail. Amen. Merci Jésus. Comment entrons-nous en Christ? Comment y entrons-nous? Par un seul esprit. Même pas par une communion. La première chose vient. Par une seule église? Non. Par une seule lettre? Non. Par un seul credo? Non. Mais par un seul esprit. Amen. On est baptisé. Pour entrer dans le corps du Christ, on est tous baptisés d'un seul esprit. Amen. Que ce soit les noirs, les blancs, les jaunes, les hommes, les femmes, un seul esprit. Amen. Si vous êtes ici, bon, une seule est là-bas, un autre frère là-bas. Baptisé d'un même esprit, vous allez vous connaître. Amen. Vous allez vous supporter. Vous allez vous aimer. Amen. Vous n'allez pas vous combattre. Parce que c'est une personne qui est en vous. Amen. C'est une seule personne qui est en vous. Amen. C'est Jésus en vous. Amen. La pensée que vous avez là, comme elle vient de Christ, elle sera captée par l'autre esprit. Alléluia. C'est une personne qui vit en vous, qui vit dans votre frère. Oui. Quand vous verrez votre esprit, vous direz, la sœur là. Amen. Avant qu'elle parle, moi j'ai fait aussi une pensée comme ça. Amen. Baptisé d'un seul esprit. Alléluia. Pas une seule lettre, pas une seule adhésion, pas une seule un seul credo, non, un seul esprit. Alléluia. Pour former un seul corps. Oui. Les blancs, les noirs, les jaunes, c'est ça. Les pentecôtistes, les méthodistes, les presbytériens, les catholiques, baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les gens ont loupé la vision du prophète. Amen. Frère Branham, son église, Frère Branham dit, nous sommes une église interdénominationnelle. Alléluia. Ça signifie quoi? Je reviens. Frère Branham dit, nous sommes une église interdénominationnelle. C'est-à-dire, vous allez comprendre ça. Ok.
dit tant de frères Branham. Ceux qui ont vécu en Afrique, ils ont compris un peu ça, mais écoutez ce qui s'est passé. Donc, les gens venaient de toutes les dénominations. Oui. Pour une réunion avec frère Branham. Amen. Oui. Amen. C'est je répète. Quand Branham dit nous sommes interdénominationnels et que nous sommes entre les dénominations. C'est-à-dire que chaque membre de la dénomination qui veut venir, il a le droit de venir. Amen. Un catholique, il a le droit de venir s'asseoir, écouter le message. Amen. Un protestant, il peut écouter le message. Amen. Un presbytérien, il peut écouter le message. Amen. Un fou, chacun a le droit de venir s'asseoir, écouter le message. Amen. Il dit, mes frères et mes sœurs, il dit, ce sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ils sont la méthode de Christ. Il ne prie pas avec moi, mais il a trouvé grâce devant Dieu. Amen. Il a le baptême du Saint-Esprit. Je veux le respecter. Amen. Je veux l'aimer. Exact. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Amen. Dieu donne le Saint-Esprit à qui il donne. Amen. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à celui que toi tu veux là. Amen. Dieu est capable de donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui est dehors. Amen. Yes. Il appelle Dieu, Dieu descend. Yes. Ah, ouais. Alléluia. Dieu le connaît. Amen. Amen. Dieu, Dieu, descend, Seigneur. Et on Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Je voudrais aller avec ça doucement pour que vous puissiez comprendre. Amen. Il dit, nous sommes baptisés d'un seul esprit, tous. Baptisés d'un seul esprit, d'un seul corps. Ce n'est ni par l'eau, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Nous sommes baptisés dans un seul esprit. Qu'est-ce? C'est l'esprit. Où est l'esprit? Où se trouve la vie? La vie se trouve dans le sang. Amen. Dans le sang, en passant par le sang de Christ. Vous devenez croyant. Écoutez, nous étions sans Christ, sans Dieu, sans espérance dans le monde, condamnés à mourir. Nous étions sans Christ. Sans Dieu, l'olivier sauvage, comme la Bible nous appelle. Un peuple sans espérance. Un peuple de la brousse. Un peuple inconnu de Dieu. Un peuple sauvage. Un peuple sans alliance. Sans promesse. Avec Dieu. Sans promesse. Avec Dieu. Dieu ne nous connaissait même pas. Mais par sa grâce. Amen. Par sa grâce. Amen. Par pitié. Amen. Par pitié. Yes. Dieu était en train de faire son programme avec Israël. Amen. Dieu était en train de faire son programme pour sceller Israël. Amen. Pour faire l'expiation d'Israël. Mais par pitié. Là j'ai des regards. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Par pitié. Il a jeté un regard chez les nations. Il est Paul. Est-ce que tu peux m'aider? Alléluia! Paul! Yeah. Est-ce que tu peux accepter de m'aider? Yes, sir! J'ai besoin de sauver ces gens. Amen, amen, amen. J'ai besoin de sauver ces Européens, merci, ces Seigneur. Américains, merci, ces Noirs merci, qui Seigneur. Sont là-bas, ces autres Asiatiques, les Russes, etc. J'ai besoin de les sauver. Alléluia! Est-ce que tu peux m'aider? Ah. Paul dit, mais voici ça. Amen! Un peuple sans man. Dieu. Un peuple sans alliance avec Dieu. Sans Christ, sans promesse. Mais Dieu est dans sa grâce. Amen. Il nous a hantés. La Bible dit, Florent dit, la Bible dit que Dieu a aveuglé son peuple. Yes, Israël pouvait reconnaître le Messie. Yes, il pouvait les reconnaître. Yes, c'était facile, mais c'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Mais avec les morts, c'est le salut pour toi. Amen. Mais avec les morts, c'est notre salut. Amen. Mais c'est juste ça. Pourquoi ils ont fait ça? Ils nous ont fait ça pour que toi et moi nous amènes. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Et la Bible dit, Dieu a jeté un regard chez les nations pour chercher un peuple qui doit porter son nom. Et le temps des nations, nous on n'a pas un temps déterminé. Oh my God.
On n'a pas un temps déterminé. Dieu, il est dans son programme avec Israël, c'est dans son calendrier. Bien précis. Dieu travaille, alléluia. Amen. Son temps s'achève presque. Dieu va, on en parlera dans le calendrier. Dieu arrête son plan avec Israël. Il jette un coup de chez les nations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le temps des nations est réparti dans cet âge. Beaucoup. Ben. Les nations n'ont pas le temps déterminé. Le temps des nations est réparti dans les 7 âges de l'Église. C'est-à-dire que Dieu appelle à chaque âge. Il appelle. Nous, ce que Dieu nous a donné, ce sont des signes. Quand vous verrez les signes, quand vous verrez ça, sachez que c'est la fin. Amen. Alléluia. Quand vous verrez telle chose arriver, vous verrez tel signe, sachez que c'est terminé. Amen. Dieu doit terminer avec les nations pour retourner à l'Israël. Alléluia. C'est durant ce temps que Dieu a affecté son peuple Israël. Amen. Amen. Pour achever la dernière saison. La Bible nous appelle l'olivier sauvage. Amen. La Bible appelle Israël l'olivier fort. L'arbre qui est dans la cour, c'est Israël. Mais nous sommes l'arbre de la forêt. Yeah. Alléluia. Sans espérance en Dieu, mais par sa grâce. Amen. Dieu nous a hantés dans son corps. Dieu nous a greffés dans son corps. Nous avons trouvé la place pour la paix. Ainsi que le Dieu d'Israël, il est notre Dieu. Amen. Quand Paul va entrer, nous allons entrer. Amen. Quand Pierre va entrer, nous allons entrer. Alléluia. Paul, quand il a amené Timothée au tabernacle, mais c'était scandaleux. Il dit, mais comment il a amené un païen, il va tuer la place. Paul savait que la grâce est partie. Alléluia. Alléluia. Dieu a jeté un regard de miséricorde. Alléluia. À Bruxelles, en Afrique, en Europe, pour trouver un peuple qui peut guérir. C'est la pitié de Dieu. Yes. Et nous sommes assis ici. Il ne faut pas blaguer avec la grâce de Dieu. Amen. Il ne faut pas blaguer avec le salut de Dieu. Non. Faut pas blaguer. Le salut est individuel. Amen. Voilà le salut individuel. Alléluia. Chacun est sauvé personnellement. Chaque homme et chaque femme, il est sauvé seul. Vous ne venez pas avec votre femme, avec votre... Non, toi seul. Non. Si tu es vrai, Dieu commence avec toi. Amen. Tu marches, tu es seul. Alléluia. Israël, ils sont sauvés en bloc. Mais nous sommes sauvés individu par individu. Amen. Il a dit que Dieu vous appelle, Dieu vous aide. Amen. Vous êtes une œuvre achevée. Yes, une œuvre terminée. Yes. Dieu a fini. Yes. Quand Dieu vous le baptême du Saint-Esprit, Dieu se repose. Amen. Pour vous reposer aussi. Amen. Dieu a fini, Dieu a mis sa signature. Amen. Vous êtes une œuvre achevée. Amen. Vous devez monter avec Dieu. Amen, 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 amen. Baptisez un Saint-Esprit. Yes. Pour former un Saint-Esprit. Exact. Nous étions sans Christ, sans Dieu, sans espérance dans le monde. Condamnés à mourir. Condamnés à mourir. Puis Dieu, par grâce, nous a aidés. Il nous appelle à Christ. Nous l'entendons. Lui, la vie, nous appelait depuis la cellule de sang. Dieu nous appelle au travers de la cellule de sang. Saisissez-vous cela. Oui, nous venons confesser nos péchés et nous sommes baptisés pour la rémission des péchés. Et on nous fait passer par le sang. Jusqu'à ce que nous passons par l'aspersion du sang. Ce que je suis en train de faire ce matin, je fais comme Eleazar, je fais l'aspersion du sang. Amen. Le travail que je fais ce matin, je prends le sang, je verse sur le peuple. Quand vous écoutez la parole de votre jour, c'est le sang qui est versé sur vous. Quand vous écoutez votre message, c'est le sang que Dieu verse. Amen. Dieu qui vous lave. C'est Dieu qui vous bénit. Amen. Écoutez maintenant, Dieu nous fait passer par le sang. Nous passons par l'aspersion du sang. Puis par le Saint-Esprit, nous sommes baptisés à l'intérieur de cette cellule de sang. Nous sommes baptisés à l'intérieur de la cellule de sang. Et nous avons communion les uns avec les autres pendant que le sang Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Oh là là, vous y êtes. Baptisé d'un seul esprit,
baptisé dans les corps, baptisé dans les sangs, pour former un seul corps. Nous avons communion les uns les autres. Les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, baptisés d'un esprit, ils ont communion les uns les autres. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. D'abord, positionnellement, venir à Christ par les sangs. Par les sangs versés, ensuite, positionnellement, nous sommes assis en Christ. Vous venez par les sangs, vous vous asseyez ici dans les corps. Vous venez par les sangs, vous possédez le pays. Amen. Vous venez par les sangs, vous avez un cadavre. Amen. Alléluia. Wow. Vous venez par les sangs, vous vous asseyez. C'est ça ce qu'on appelle les lieux célestes. Amen. Amen. Alléluia. Exact. Amen. J'espère les ciels. Les ciels, oui. Les ciels commencent. Amen. 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 La vie éternelle commence. Amen. Dans les corps. Amen. Ça s'appelle être assis dans les lieux célestes. Amen. Les lieux s'élevés dans le corps du Christ, dans la position. Vous avez une position, les uns comme les autres, comme ici. Certains ont des visions, certains parlent, certains des prophéties, certains prêchent, certains sont des docteurs, des évangélistes. Vous êtes ici dans le corps. Vous avez une place ici. Amen. Certains les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de connaissance, les dons de sagesse. Vous n'êtes pas vide en vous y a un don de Dieu. Dieu vous donne un songe spirituel, écrivez, apportez au pasteur. Alléluia. Dieu avertit même par un songe. Amen. On note ça. Et les gens m'appellent, pasteur, j'ai vu tel son. Moi, quand je vois ce songe-là, j'écoutais les songes de tel, Oh, j'entends ça concorde. Hein. Dieu est comme ça, il parle. Hein. Amen. Mais toi qui donnes, tu ne sais pas. Dieu t'a dit, tu as dit à un autre aussi. Amen. C'est ça, être assis dans le reste. Ici, il n'y a pas de jalousie. Yeah. Alléluia. Ici, il n'y a pas de jalousie. Yeah. Yeah. Ici, il n'y a pas de critique. Yeah. Alléluia. Yeah. Ici, il n'y a pas de ligand mobile qui sonne ici. Quand ça sonne, c'est pour bénir. Amen. Amen. Ici, il n'y a pas de... Tu sais. Oui, Bibi. Oui, Bibi. Ça n'existe pas ici. Alléluia. Ici, c'est la paix. Hey. C'est la joie. Amen. Ici, il n'y a pas la cigarette ici. Ici, il n'y a pas l'alcool ici. Ici, il n'y a pas l'adultère ici qui entre ici. C'est une position du vainqueur. Amen. C'est-à-dire, tout ce qui viendra comme problème, tu vas vaincre. Alléluia. Tu auras des combats, mais tu vas vaincre. Amen. Alléluia. C'est la position du vainqueur. Yes. Dans le corps de Christ. Amen. C'est ici où on adore. Amen. C'est ici où les prières sont exaucées. C'est ici où il y a la promesse d'être exaucé par Dieu. Ah, yes. Dans le corps. Former un seul corps. En communion avec les hommes et les femmes. Amen. Les blancs, ici, il n'y a pas de noir, les blancs de rouge. Ici, il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de tribu ici. Amen. Yes. Il y a une seule tribu ici. Par Jésus. Amen. Yes, sir. Amen. 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 Attendez. Ici, il y a et les femmes et les hommes. Mm-hmm. Amen. Il n'y a pas seulement les frères. Mm-hmm. Alléluia. Amen. 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 C'est comme un petit témoignage. Je sais que bon, je suis, mes bandes sont suivies partout sur Internet. Quand un fils est dit par exemple que si un frère fait, un mari fait quelque chose, on peut le pardonner. Mais si la femme fait, on la pardonne pas. Ça existe? Non, non. Oh, non. Ici, quand quelqu'un fait du mal, on pardonne. Amen. On oublie. Amen, amen, amen. Alléluia! Amen. Dans le corps du Christ, dans le sang, la cellule du sang. Dieu vous appelle ici, à l'intérieur du sang. L'adoration se fait ici. Amen. Quand quelqu'un d'ici, j'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un d'ici, même son témoignage, quand lui témoigne,
les gens ont la paix. Amen. Quand son témoignage, ça consomme. Il ne parle pas pour casser, il parle pour aider. Amen. Et s'il n'y a pas les gens hypocrites, non, l'hypocrisie reste ici. L'hypocrisie, ici, il y a un tamis. On ne passe pas ici. Alléluia. Amen. Pourquoi nous pouvons passer à qui? C'est pas passer à comment? Amen. C'est nous pas. Alléluia. On ne peut pas passer ici avec l'hypocrisie, avec les mensonges. Les tamis vont débloquer. Yes! Avant d'être avec Christ, alléluia. Il y a un filtre. Amen. Yes. Ici, l'hypocrisie n'entre pas. Non. Ici, il n'y a pas de gens de double face ici. Non, non, non. Mon frère, c'est mon frère. Yes. Ma soeur, c'est ma soeur. Alléluia. Ici. Les hommes et les femmes qui sont ici, la Bible dit, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Ah, les hommes et les femmes, amen. Il faut travailler pour moi. Sur mes serviteurs et mes serviteurs. Les femmes qui sont ici, attention. Yes. Les femmes qui sont ici, attention avec ces femmes-là. Que pas la version de amen. Alléluia. Commando à Soudan. Gloire à Dieu. Yes. Amen. Tu vas aller mener n'importe quelle vie au ciel, au paradis. Attention, attention. Alléluia. Attention. Amen. Amen. Toi, tu es au service en train de faire les bêtises. Elle est à la maison, Dieu lui montre. Yes! Alléluia. Tu veux aller bien à l'église? Oh Seigneur Jésus. Attention. Ici, nous sommes bien personne qui connaît notre. Mais Jésus nous connaît. Amen. Ce que tu as fait hier, Jésus l'a vu. Amen. Il voit ce que tu as fait hier. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Quand vous venez ici, purifiez-vous avant l'église. Amen. Vous fassiez venir dans la présence de Dieu. Amen. Les trois fois ça. Amen. Dans les corps. Dans les corps. Amen, amen, amen. Yes. Tabernacle, le corps. Le corps de Christ, le corps de Jésus. Alléluia. Le corps de Jésus. Amen. Amen. Ça bouge, c'est ça. Ça, c'est le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Satan la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dans l'âge où la tête va descendre sur le trône. Amen. Merci Seigneur pour faire. Alléluia. Ici, les gens ont la communion. Les gens se parlent franchement. Les gens n'ont pas double face. Ils se disent les choses clairement. C'est mon frère, c'est ma soeur. Dites-lui les choses clairement. Amen. On n'a pas une pensée de la tête. Non, 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 non. Ici, non, non. Alléluia. Si je suis avec Caleb, c'est mon frère. Et... je n'ai pas une autre pensée de rien. Je suis avec ma soeur, c'est ma soeur. Je n'ai pas une autre pensée de rien. L'hypocrisie n'entre pas ici. Les hypocrites n'entrent pas ici. J'ai pas entendu la main. Amen. Hey! Amen. Et voilà, on dit ceci. Remarquez ceci maintenant. Remarque dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, aucun croyant n'avait le droit d'offrir les sacrifices d'adoration en dehors du temple. Offrir les sacrifices d'adoration en dehors du temple. Les gens s'encouragent. Les gens ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, mais ils se font des citations, citations, citations. Oh, alléluia, alléluia. En dehors de l'église. Sans expérience du baptême du Saint-Esprit. Ils n'avaient jamais senti Dieu les remplir. Sans expérience avec Dieu. Jamais ils n'ont rencontré Dieu. Dieu, on les rencontre, Dieu vous change. Dieu, on les rencontre, Dieu remplit les gens. Dieu, on les rencontre, que Dieu façonne. Dieu, on les rencontre, il est réel. Vous entrez dans son corps. Scellé dans son corps, dans la cellule du sang. Et maintenant, écoutez attentivement, c'est paragraphe 28. Il dit, aucun croyant n'avait le droit d'offrir le sacrifice d'adoration en dehors du temple. Alléluia. Amen. Aucun croyant n'avait le droit d'offrir le sacrifice d'adoration en dehors du temple. Le temple. C'est dans le temple que se trouvait le sang. Amen.
Veux madame dire, c'est ça qu'on appelle l'atmosphère céleste. Si tout le monde vient, chacun, il s'est consacré à Dieu. Il n'y a pas de mauvaise pensée. Il n'y a pas une pensée contre un frère. Il n'y a pas une pensée négative contre une soeur. Les gens se parlent clairement. Ici, le Saint-Esprit vibrant dans les cœurs. Une réunion des gens, on les appelle les premiers-nés. Amen. Amen. Les premiers-nés. Une assemblée des premiers-nés sont là. Amen. Amen. Ils ont reçu les droits d'aînés, ils sont là-bas. Les droits d'aînés, ma micro, ma vieille. Droits d'aînés, Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils sont devenus des chrétiens. Amen. Ils étaient des frères, des sœurs, mais ils sont chrétiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu es une sœur, une frère, qui te bénisse, mais il faut devenir maintenant croyant, chrétienne. Amen. Et si toi, tu naisses. Alléluia. Si tu reçois ça, tu as trouvé grâce. Amen. Amen. Alléluia. Si tu reçois ça, ça veut dire que Dieu te fait confiance. Alléluia. Quand Dieu voit le baptême du Saint-Esprit quelqu'un, Dieu lui fait confiance. Amen. Amen. Dieu compte sur lui. Amen. Dieu compte sur toi, ma soeur. Amen. Ne t'oublie jamais, Dieu a besoin de compter sur toi. Amen. Dieu a besoin de compter sur toi. Amen. Tu peux faire quelque chose pour lui. Dieu n'a pas besoin de spectateurs, des gens qui viennent seulement comme au stade qui regardent. Dieu a besoin des gens qui jouent les matchs. Amen. Ils sont dans les matchs, ils jouent aussi. Alléluia. Chacun. Qui veut jouer les matchs aussi? Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu a besoin des gens, des acteurs, pas des spectateurs. Amen. Dites, c'est mon tour maintenant. Amen. C'est mon jour aujourd'hui. Amen. C'est dans les temples que se trouvaient les centres. Dieu avait interdit cela. Il avait dit, mais ne faites pas, venez au temple pour prier. Écoutez. Nous n'avons aucun droit de sortir et de commencer des credos et des dénominations, de diviser les gens, de les séparer. Nous sommes censés entrer dans une glorieuse communion par le lavage de l'eau de la parole, dans le corps du Christ au travers du sang. Et nous devenons des enfants de Dieu rachetés par le sang. Alléluia. Vous n'avez pas le droit de séparer les gens, de diviser les gens. Tous nous sommes un seul corps. Amen. Il est votre frère, il est votre soeur. Non, n'écoutez pas ces gens-là. Ils sont perdus. C'est nous qui avons la vérité. Ah, pasteur. Non, c'est nous la vérité. Moi, je ne vous prêcherai jamais comme ça. Ceux qui sont là-bas, ce sont vos frères. Amen. Ceux qui sont là-bas, ce sont vos soeurs. Ceux qui sont là-bas, ce sont des serviteurs de Dieu. Aimez-les, respectez-les. Comme les hommes de Dieu. Vous n'avez pas le droit de diviser les gens, de séparer les enfants de Dieu. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Écoutez, alors, je n'ai pas le droit de dire, parce que vous êtes méthodiste, vous n'êtes pas mon frère. Ah bon? Oh, oui, j'ai lu ça. Amen. Amen. Alors, c'est pas grave, 28. Alors, je n'ai pas le droit de dire, parce que vous êtes méthodiste, vous n'êtes pas mon frère. Parce que vous êtes baptiste, vous n'êtes pas mon frère. Ou si vous êtes pentecôtiste, vous n'êtes pas mon frère. Nous avons tous été rendus participants de cette même communion après être passés par le sang. Amen. Alléluia! Un méthodiste qui est passé par le sang, un méthodiste baptisé du Saint-Esprit, c'est mon frère. Amen. Un pentecôtiste passé par le sang, baptisé du Saint-Esprit, c'est mon frère. Amen. Un homme qui dit ça. Alléluia! Il est passé par le sang. Alléluia! Amen. J'insiste sur ces choses parce qu'en Afrique, j'ai trouvé des frères, ils disent, pas toi, on n'a pas rien. Ils sont pas dans le monde. Pas rien. Ils sont pas dans le monde. Dieu ne se manifeste même pas. Ah, ce sont des frères. Ce sont des païens là. Et des dénominationnels. Moi, je ne les apprendrai jamais comme ça. Aimez vos frères. Amen. Respectez vos frères. Amen. Ce sont ces gens-là qui vont croire qu'ils vont venir. Amen. Tu vas les prêcher comment? Il est païen, tu le prêches, il vient, il devient maintenant votre frère.
Vous savez, c'est drôle. Il vient, il croit, il devient frère. Quand il quitte encore, oh, il est perdu. Il rentre, il est sauvé. Il y a des églises comme ça. Si tu quittes là-bas, tu es perdu. Tu rentres de même, oh, notre frère, oh, il était perdu vraiment la parole de Dieu. Vous quittez encore, oh, il est perdu encore. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Amen. Dieu sauve une fois pour toutes. Le salut n'est pas entre les mains des gens. Le salut n'est pas entre les mains des pasteurs. Le salut n'est pas entre les mains des tabernacles. Vous entrez dans ces tabernacles, vous êtes perdu. Vous sortez, vous êtes sauvé. Non, non, non. Vous avez votre salut. Vous venez chez vous à la maison avec votre salut. Le pasteur ne fait que vous saluer, vous marchez bien. Ce n'est pas moi qui vous ai sauvé, c'est votre Dieu qui vous a sauvé. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, il ne faut pas dire des choses comme ça. Il ne faut jamais penser comme ça. Les églises arrivent au niveau où ils ont ce qu'on appelle une haute opinion d'eux-mêmes. C'est ça. C'est-à-dire que vous trouvez dans une église, le pasteur peut-être, il a prêché, mais croyant quoi que Seigneur, que nous seuls, avec notre église ici, ils seront enlevés nous seuls avec le pasteur. Déchez sa chose. Vous ne savez pas, c'est tellement votre église qui sera enlevée avec votre pasteur. Le pasteur ne sera pas enlevé. Non seulement nous ici. Ça s'appelle avoir une autre opinion de soi-même. Croire que tout le monde est perdu. Tout le monde. Il n'y a que nous dans la vie ici. C'est nous qui sommes sauvés. Donc, vous n'avez pas le droit de dire. Parce que vous êtes méthodiste, vous n'êtes pas mon frère. Parce que vous êtes baptisé, vous n'êtes pas mon frère. Pentecôtiste, non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Nous avons tous été rendus participants de cette communion. Après être passés par le sang. Écoutez quelque chose de très important. Cette prédication, vous l'avez déjà écoutée. Le respect. Ça, c'est la grande bombe des prédicateurs. Le prédicateur, quand il voit que non, vraiment, ça, les gens sont un peu têtus. Le respect aux serviteurs de Dieu. On prêche ça. Tout le monde a prêché ça. Même s'il est, il est nicolaïte, il y a un frère qui comprend que les choses ne passent pas bien. Non, la parole est de frère. Le respect aux serviteurs de Dieu. C'est vrai. Quand madame a parlé du respect, il faut respecter les hommes de Dieu. Amen. Amen. Mais je voudrais vous lire une écriture qu'on n'a jamais lue dans cette branche. On lit tout, on explique tout. Moïse, quand Moïse a marché, on ne l'a pas respecté. Regardez, Marie, Dieu l'a frappé de la lèpre, un serviteur de Dieu. Et quand vous jouez, Dieu va vous frapper. Regardez, frère Branham, il baptisait la fille là, il faut respecter un serviteur de Dieu. C'est bien. Mais il y a une écriture que vous ne lisez pas. Écoutez cette écriture. C'est à la page 35. Paragraphe 215. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, je suis avec lui. Qu'il soit protestant, catholique ou autre. Je ne serai peut-être pas d'accord avec lui concernant la théologie, mais je vais le respecter comme serviteur de Christ. Et comme mon frère, je vais le respecter comme serviteur de Christ et comme mon frère. Voyez-vous? Peu importe ce qu'il fait, nous devons respecter le Saint-Esprit. Amen. Exactement, oui, monsieur. Lorsque nous commencerons à faire cela, Dieu alors déversera ses bénédictions parmi nous. Amen. Pour qu'une église prospère, il faut respecter les serviteurs de Dieu. Pour qu'une église aille de l'avant, il faut respecter ce que Dieu fait. Mais madame dit, si nous le faisons, nous respectons le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Si nous respectons le Saint-Esprit, alors, lorsque nous commencerons à faire cela, Dieu alors va déverser ses bénédictions parmi nous. Juste un petit groupe. Comme les nôtres ici, où il y a peut-être 50, 60 ou peut-être 75 personnes qui sont réunies ce soir. Si nous pouvons tous nous unir et donner à Dieu tous les respects. Alléluia. Un groupe tel que les nôtres, tel que nous sommes réunis ce matin. Si nous pouvons tous nous réunir
tous ensemble et donner à Dieu tout le respect, virgule, ainsi qu'au Saint-Esprit, pour ce qu'il fait en ces jours. Respecter chaque fonction, plutôt respecter chaque don et chaque fonction qu'il envoie au milieu de nous. Amen. Dieu continuera à déverser son esprit sur nous et nous grandirons en nombre et nous nous multiplierons. Amen. Dieu dit quand le Saint-Esprit est en train de déverser, si nous respectons chaque don et chaque fonction au sein de l'Église, Dieu va continuer. Nous allons grandir en nombre, nous allons nous multiplier. Donc, madame qui ne les croyez-vous pas? Certainement, nous devons avoir du respect pour Dieu. Il dit, inclinons nos têtes un instant pour la prière, avant que nous commencions à prier. Je désire savoir s'il y a quelqu'un ici qui aimerait dire, frère Branham, je voudrais que vous priez pour moi, pour que j'ai un grand respect pour Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le voulez bien? Oui, il dit, afin que je puisse toujours garder la bouche fermée pour ne pas parler contre les choses de Dieu. Quel que soit, et puisse Dieu placer dans mon cœur le désir de respecter tous les dons divins qu'il envoie dans l'Église. Puisse Dieu placer dans mon cœur le désir de respecter tous les dons divins qu'il envoie dans l'Église. Que madame dit, levez simplement vos mains. Et dites de prier pour moi. Que Dieu vous bénisse. Presque chaque main est levée dans l'Église. Et j'ai aussi levé la mienne. Que madame dit, oh Dieu, aide-moi à être l'un de tes serviteurs. Aide-moi à respecter mes frères. Aide-moi à respecter mes soeurs. Et chaque esprit de Dieu qui vient dans la réunion, que ce soit les parler en langue, que ce soit l'interprétation de langue, que ce soit la prophétie ou les dons de discernement, que ce soit, je dis, ô Seigneur Jésus, envoie-le, envoie-le. Ô Seigneur, je suis reconnaissant envers toi. Amen, 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 amen. Dans la brochure, les respects. Amen. Quand le ministre prêche aux croyants, et par la langue. Et les gens rient. Mais ils se moquent de leur mort. On ne joue pas de Dieu. Quand Dieu voit une soeur, Dieu voit un frère, on ne joue pas de Dieu. Amen. Écoutez, mais tu dis, oh, il est parlé, il est allé chez les parlants en langue. Parlant en langue. Tu peux les provoquer, tu peux parler en langue. Toi. Que madame dit, donne-moi le respect, Seigneur. Si nous avons le respect, Dieu va donner ça. Amen. Si nous nous respectons les uns les autres. Alléluia. Amen. Si vous voulez que c'est ça le secret, si vous voulez que Dieu bénisse cette église, commencez par vous respecter. Amen. Les uns les autres. Alléluia. Le frère se respecte. Respecte les soeurs. Les soeurs se respectent. Respecte le frère aussi. Amen. Vous respectez chaque don que Dieu envoie dans l'église. Amen. Vous respectez chaque fonction que Dieu envoie dans l'église. Amen. Vous respectez les paroles, la langue, la prophétie, la vision. Vous respectez tout ça. Seigneur envoie d'autres. Et quand Dieu parle, vous inclinez. Amen. 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 Quand Dieu parle, vous inclinez. Amen. Mais vous voyez l'église où vous voyez la Bible arrive de la manifestation de Dieu. Les gens rient. Ah, ils ne vont pas voir non. Non, c'est la parole, frère. Parole. Vous ne pouvez pas dire ça à casa, parce que quand il a prêché la parole. La parole fait, la parole. Parole sans puissance de Dieu. Puissance sans parole de Dieu. La parole marche avec la puissance de Dieu. Amen. La puissance marche avec la parole. Amen. Écoutez les prophètes, je vais terminer. Voilà, donc, non, vous n'avez pas le droit. Si les gens séparent les gens, c'est parce qu'ils ne sont pas entrés dans la communion. Oui. Si les gens séparent les gens, c'est parce qu'ils ne sont pas passés par le sang. Celui qui est passé par le sang, frère Madame Lee, qui a senti les douleurs de Christ du travers, il va aimer son frère. Amen. Il va voir quelqu'un qui est faible, il va l'aimer. Amen. Celui qui est passé par le sang, amen, il connaît les chemins, amen, il verra sa soeur faible, il aura pitié. Amen. Les gens qui sont passés par le sang, qui connaissent combien c'est dur, combien c'est pénible, ils ont l'amour pour les autres. Amen. Ils ont la compassion pour les autres. Amen. Quand ils voient sa soeur dans le péché,
le regarde, il a pitié de la sœur. Quand il va souffrir dans le péché, il regarde avec les yeux d'amour. Les yeux de pitié. Il est passé par le sang. Il est passé par les cavernes. Il est arrivé dans la communion. Il est arrivé dans les corps de Christ. Mais si dans ta bouche, il n'y a que critique, tu n'es pas passé. Celui qui passe par la vie, celui qui a traversé le sang, qui voit les souffrances de Christ, qui sent les souffrances de Christ, il aura pitié. Amen. Amen. Tu n'auras pas seulement une bouche qui condamne. Non. Celui qui est passé par le sang, il a pitié. Amen. Lorsque vous êtes en dehors de Christ, vous ne comprenez pas ce que c'est le lieu céleste. Nous sommes ensemble assis dans le lieu céleste. Comment donc c'est en Christ dans le lieu céleste? La raison pour laquelle vous ne comprenez pas est que vous n'avez jamais été participant à la communion de sa souffrance. Vous ne comprenez pas. C'est parce que vous n'avez jamais été participant de la communion de ses souffrances. Ah, si vous avez participé à la communion de ses souffrances, vous sentez ce que Christ a senti. Ah. Vous sentez la peine de Christ, sa mort sur les calvaires, l'agonie de Christ. Vous aimerez les frères. Ah. Vous aimerez les sœurs. Ah. Vous aurez pitié des gens. Vous verrez quelqu'un même dans le monde en train de se comporter comment tu auras pitié de lui. Amen. Le Seigneur fait une grâce. Amen. Tu verras un pasteur qui dit mais le Seigneur fait une grâce. Amen. Parce que tu es passé par la communion de ses souffrances. Amen. Tu es participant de ses souffrances. Amen. Parce que Christ a senti ça. On est en train de clouer. Clouer. Il dit Seigneur, ayez pitié d'eux. Ils sont passés plus fort. Si vous passez par le sang, vous allez le sentir aussi. Si vous passez par le sang, vous êtes participant de la communion de ses souffrances. C'est paragraphe 29 dans la position de Christ. La raison pour laquelle vous ne comprenez pas, ce ne sont pas nos frères. Ces gens-là, non, ce ne sont pas nos frères. Vous n'êtes pas arrivé là-bas. N'êtes pas passé par le sang. Entrez dans le sang. Passez par le sang. Sentez les souffrances de Christ. Vous aimerez ces choses. Amen. Vous prierez pour eux. Amen. Je peux entendre la même. Amen. Vous n'avez jamais posé vos mains sur sa tête bénie et sacrée. Vous n'avez jamais posé vos mains sur sa tête bénie et sacrée. Voir la couronne d'épines avec les sang qui coule. Les regarder en face, sentir ses couleurs. Vous n'avez jamais fait ça. Vous n'avez jamais posé vos mains sur sa tête bénie et sacrée. Vous n'avez jamais senti les douleurs du calvaire pour vos péchés. Vous-même, vous n'avez jamais senti les douleurs du calvaire pour vos propres péchés. Parce que quand vous sentirez les douleurs du calvaire pour vos péchés, vous aurez pitié de Dieu. Amen. Amen. Vous aurez pitié de lui. Vous aurez pitié d'elle. Amen. Vous n'avez jamais senti les douleurs du calvaire pour vos péchés. De mon ami, vous n'avez jamais su ce que c'était, cher ami. Mon ami, vous n'avez jamais senti ça. Vous parlez des choses intellectuelles, vous n'avez jamais senti ça. Vous parlez de la théorie, la théologie, vous n'avez jamais été là-bas. Ne pas passer par les sangs. Passez par les sangs. Confessez vos péchés, vous allez sentir ce qu'on sent. Elle va compassion, pitié des autres. Elle prie pour les autres. Amen. En sa présence. Amen. Vous ne savez pas ce que cela signifie jusqu'à ce que vous montiez une fois au calvaire. Montez un peu au calvaire. Gravissez un peu les marches. Gravissez un peu ces pierres-là. Là où il montait, il tombait avec la croix. Gravissez un peu la démarche là-bas. Vous allez sentir que c'est consent. Vous n'avez jamais été là-bas. Vous ne connaissez même pas ce que c'est une épreuve. Mais c'est pas ça. Celui qui est passé par les sangs, celui qui est passé par le feu, celui qui est passé par papa, vous allez sentir ces douleurs. Vous ne savez pas ce que cela signifie jusqu'à ce que vous montiez une fois au calvaire et que vous voyez quel prix a été payé pour vous. Montez une fois au calvaire. Passez par les sangs. Regardez les prix en face qu'il vous a racheté. Sentez les douleurs que Christ a senties. Vous les aimerez. Vous prierez pour eux. Vous aimerez la grâce de Dieu. N'allez pas les critiquer. N'allez pas les détruire. Vous les aimerez. Amen. Vous les aidez à marcher.
Alors, quand vous réalisez ce que tout cela signifie, Dieu, par sa grâce, vous fait passer par le flot du sang. Dieu, par sa grâce, Dieu vous prend. Cet après-midi, Dieu te prend. Il te fait traverser au travers le flot du sang. Le sang qui t'appelle pour te laver, te purifier. Tu sentiras les peines, les douleurs des autres. Dieu, par sa grâce, vous fait passer par le flot du sang pour vous faire entrer dans sa propre communion avec son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Au départ, les gens qui sont ici, ils sont en communion avec Jésus. Vous n'avez pas compris? Les gens qui sont ici, au départ, ils sont en communion avec Jésus. Amen. Par après, ils sont en communion eux-mêmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient communion avec Dieu. Il n'y avait pas de péché. Ils avaient communion entre eux. Et même tous les animaux des champs, il y avait la communion, c'était la communion. Amen. 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 Adam parlait, les choses obéissaient. Il parlait, ça obéissait. Il avait communion avec Dieu. Un mariage est solide quand il est en communion avec Dieu. Amen. Alors il est solide. Pour que ça soit solide, il faut que ça soit connecté par Dieu. Oui. Quand ils ont péché, au départ, la communion avec Dieu a été brisée. Automatiquement, la communion est brisée là-bas aussi. Oui. Oui. Et automatiquement, dans le champ, tout est en désordre. Oui. Le péché, il brise la communion avec Dieu, brise la communion entre Adam et Ève, la communion avec les animaux de la chair. Donc, ceux qui sont dans les corps du Christ, ils sont en communion avant tout avec le Fils de Dieu. Ils sont en communion eux-mêmes avec lui. Ils sont passés par lui. Ils ont senti les douleurs. Ils ont déjà placé leurs mains sur la tête, le béni de Christ. Ils ont senti les douleurs du calvaire. Ils connaissent ce que c'est que le calvaire. Amen. Mais quand vous êtes en dehors, quand vous êtes donc assis dans la communion, en dehors de Christ, en dehors de sa communion, vous n'avez pas le droit de dire que les gens qui sont dans cette communion-là, qui croient au surnaturel, sont tous mentalement dérangés. Les gens qui sont ici croient au miracle surnaturel. Les gens qui sont ici croient au miracle, aussi au surnaturel. Oui. Ils croient à la colonne de feu. Ils croient qu'on fait la photographie. Ah. Quand vous êtes en dehors, j'ai lisé une écriture, j'ai vu peut-être Elie Salem écrit. Une citation du prophète qui a été préparée par un homme de Dieu. Il lit la citation du prophète, mais lui il dit autre chose que ce que le prophète a dit. Et il prêche comme ça. Il lit la citation du prophète, mais la façon que lui interprète ça, il a écrit ça. Vous lisez ce qu'il fait. Mais il donne la position à l'église comme ça. Les gens ne croient même pas que dans l'église, Dieu peut discerner les pensées et croire dans sa foi. Dieu continue à les faire. Amen. 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 C'est un don. Amen. Parce que le prophète a fait. Ça, c'est son grand don. Amen. Dans l'église, il y a les dons de discerner. Amen. Le prophète, ça, c'est pour le prophète. Amen. Vous lisez une écriture du prophète. J'ai lu l'écriture du prophète. Que madame dit. Dieu est allé causer avec Joseph par un songe, parce qu'il n'y avait pas de prophète. Amen. 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 Un moyen secondaire. Il faut maintenant faire des commentaires là-bas. J'ai lu un homme de Dieu qui a interprété dit, vous voyez, il n'y a personne qui peut écouter la voix audible de Dieu, seulement les prophètes. J'ai dit, mais c'est un mentir. Quelqu'un qui croit que il n'y a personne qui peut écouter la voix audible de Dieu, c'est mon frère Branham. C'est mensonge. Parce que moi, j'ai écouté la voix de Dieu. Amen. 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 Non, il dit non. La seule personne qui peut écouter la voix audible, c'est il n'y a que le prophète. Il dit parmi les humains, il n'y a personne qui peut écouter la voix audible. Et il écrit comme ça, mais moi, j'ai écouté la voix audible. Ce n'est pas
lit. Fais ça. Il voit clair. Dans la maison, il parle. Amen. Ils ont bloqué Dieu pour agir au sein de l'église. Dieu parle. Amen. Dieu continue à parler. Amen. Dieu peut parler par les vases. Dieu peut parler par une vision. Dieu parle par la voix audible. Amen. Il voit clair, il parle. Amen. Dieu continue à discerner les pensées des cœurs. Amen. Le prophète a fait son travail. Amen. Et si quelqu'un a quelque chose, c'est lui qui a les dons de discernement. Il va te regarder, il va te dire les pensées dans ton cœur. Ça existe. Amen. C'est correct. Amen. Quand tu assises, tu penses à faire ça, à faire ça. Attention. Amen. C'est ça les dieux de Branham. Ils ont arrêté le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'opère pas dans les églises. Nous croyons à l'opération du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu yes. peut parler encore. Exact. Dieu continue à guérir. Amen. Bon, je vais écouter. Comment tu vas être péché comme ça? Parce que moi je suis là. Moi j'ai fait ça. Non, lui n'a jamais écouté ça. Il croit que c'est impossible. Mais il y a des gens qui ont déjà écouté. Ce n'est pas endormi. Non, on est réveillé. La voix parle. Dieu parle comme un homme. Amen. Mais il tombe. Il menace. Il peut te parler. Donne-moi 5 minutes. Je termine. Alléluia. Amen. Je prends des écritures. Mais Branham dit ceci dans la prédication. Être pardonné. Il dit, j'aime le signe sur lui. Amen. Il écoute Dieu dans chaque vie. Il danse. Il a une victoire avec Dieu. Ah. Non, mais attends, ça là. Maintenant, on vient en matin. Il a la victoire. Amen. Il dit, je me souviens David, le grand psalmiste de la Bible, quand il avait fait quelque chose, cet exploit-là, on lui donnait la fille de Saül. Elle était une sorte de soi-disant incroyable, prétentieuse, gainée. Lâche était restée loin de Dieu pendant longtemps. La présence de Dieu, la présence visible de Dieu. David, quand il a vu la lâche venir, madame dit, la présence visible de Dieu, la colonne de feu. Quand David voit la colonne de feu qui était suspendue sur cet arche, sous les règnes de Saül, le Philistin était venu l'avait emporté. Un jour, quand David a vu l'arche revenir à la maison de Dieu, David a couru devant l'arche. Il a dansé devant l'Éternel en chantant les louanges de Dieu. Et la fille de Saül s'est sentie très embarrassée à cause du comportement de cet homme. Son mari, son jeune et beau mari, a fait le pitre, s'est mal conduit en sa présence à elle, la fille du roi. David a dit, si tu n'aimes pas cela, regarde pas encore. Tu dis que j'ai fait le pitre, hein? je t'ai fait honte, hein? Regarde-moi encore. Amen. Je vais danser. Amen. La femme a dit, mais tu m'as fait honte. Pas un grand roi, tu me danses comme ça devant les gens. Toi, tu es un grand chef. Tu ne peux pas te comporter comme ça devant tes enfants, devant. La femme, le mari, en bas, c'est comme ça. Toi, tu es un grand roi. Tout le monde te respecte ici. David dit, il va voir encore demain. David dit, j'ai vu la présence de Dieu. Amen. J'ai vu l'arche venir. Vraiment. J'ai vu la colonne de feu. Les dieux visibles sont confiés. Moi, j'ai vu ça. Je vais danser. Amen. 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 Je suis un canon. Yes. Mais je vais danser. Amen. C'est ça. Amen. Dieu m'a fait grâce. Je suis un canard. Oui. Moi, un pauvre pécheur. N'est pas le péché. Dieu m'a parlé. Amen. Mais je trouvais pas. Je vais le faire. Je vais le glorifier. Le problème est que tu n'as pas encore eu de victoire. Là, le long de la terre. Tu es toujours assis là. Tu as pris du patex et tu as trois. Amen.
Allez, qui faut se mettre debout. C'est ça même. C'est ça même. Oui. La victoire par le sang de Jésus, le signe de la résurrection de Christ, sa vie est vivante dans son Église. Amen. Nous voir la colonne de feu assis du vivant de frère Branham. Du vivant de Branham. Branham est encore en vie. Il y avait des sœurs qui sont allées prier devant ces photos. La colonne de feu ici, elle est sortie. Elle les a guéris. Amen, amen. Il y a quelqu'un là-bas. Amen. Il guérit des amen. Amen. Nous, c'est cette raison de voir les anges. Les anges. Anges. Nous, les hommes, voir les anges. C'est une grâce. Amen. J'avais demandé à un poyo que la terre soit photographiée. Les anges. Venez aujourd'hui. C'est une grâce. Alléluia. Ils ne sont pas n'importe qui. Visités par les anges. Amen. David, quand il va lâche, David avait la victoire. David a dansé. Il a dansé. Il a dansé. Alléluia. Merci Jésus. La victoire est dans le sang. Amen. Oh, le sang répandu, c'est là l'expiation. Amen. C'est là l'expiation. Frère Branham dit. Quand la colonne de feu s'incarne dans le prophète. Alléluia. Amen. C'est ça l'expiation pour les comptes. C'est-à-dire que celui qui n'est pas épouse ne va pas voir ça. Amen. Ce sont les membres de l'épouse qui verront la colonne de feu entrer dans le prophète pour manifester le Fils de l'homme. Alors on appelle ça l'expiation des prophètes. Je sais ce que c'est le sang. Amen. Je sais ce que c'est le sang. Et tant de membres, je vais arrêter là. Je sais ce que c'est le sang. Dans cet âge, les gens ne sont pas sincères. La promesse était dite à Daniel. Daniel sait ces choses. Garde ces choses secrètes jusqu'au temps de la fin. Daniel garde ses vérités cachées jusqu'au temps de William Branham. Garde ses vérités cachées jusqu'à ce que Exode va venir. Garde ses vérités sacrées jusqu'à ce que Marcel va venir. Et Daniel dit, en ces jours-là, quand ces vérités seront révélées, ça va laver un peuple. Ici, on est là. Voilà les tonnerres. C'est ça, c'est qui l'a fait. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Daniel dit, dans les derniers jours, il y aura un peuple purifié. Lavé. Quand nous écoutons ces mystères, nous sommes lavés. Le prophète dit, quand vous confessez votre péché, le sang de Jésus est la puissance comme l'eau de Javel. Le sang de Jésus, il détruit le péché. Le sang de Jésus est la puissance de détruire votre péché. Si vous les confessez, et Dieu vous blanchit.
Le sang de Jésus nous restaure en position de fils et de filles. J'ai pris ça. Je suis parfait. Amen. Je répète. J'ai cru les sept mystères de Dieu qui sont venus vers l'épouse pour blanchir l'épouse. Je suis blanc comme la neige. Comme un homme dit, l'épouse se tient en sa présence. Quand la colonne des fesses s'incarne, nous sommes dans la présence de Dieu. Quand la tête descend, nous sommes dans la présence de Dieu. Sans péché. Nous sommes dans sa présence. Sans péché, amen. Justifié, amen. Parfait. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est ça la position de l'Église. Ok. Mais madame dit, pourquoi est-ce que vous vous achopez? Moïse, il est sous le sang de toi et de vous. Moïse prononce la parole et les mouches viennent à l'existence. Vous vous achopez pourquoi? Parce que nous sommes sous les véritables décolorants. Le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus. Amen. C'est-à-dire que ce soir, tu peux parler. Amen. Et les choses s'accomplissent. Si tu ne parles pas, tu ne parleras jamais. Le sang de Jésus, le message de l'heure que tu as cru t'a blanchi. Le message de l'heure t'a purifié. Le citronné t'a purifié. L'expiation de l'épouse. La présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ, tu peux prononcer la parole. C'est la position de l'Église. C'est ça votre position. Ne regardez pas ce que vous êtes, regardez à l'agneau. L'agneau sans défaut, l'agneau sans tâche, le Seigneur Jésus. Nous nous identifions à l'agneau. Venez sous le sang et prononcez la parole. Amen. Acceptez votre expiation. Amen. Tout est possible à ce moment. Si vous dites à cette montagne, ôtez-toi de là, ôtez-toi de la mer, et que vous croyez ce que vous dites, vous devez s'accorder. Jésus a dit, amen. Si vous tenez à moi, amen. Que mes paroles demeurent à moi, oh, Jésus. Demandez tout ce que vous voulez, c'est là que c'est. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Oh,
justifiant sa présence, tu peux prononcer la parole de Dieu et Dieu la confirmera. Oh, tu es une épouse bien-aimée, tu es son épouse bien-aimée, tu es une épouse bien-aimée. Thank you.
Je sais, c'est le Saint-Père. Lorsque j'étais perdu à la voix, c'était lorsque Comment les dieux du ciel a pu songer à nous, nous qui sommes nés dans le péché,
nous qui sommes formés dans l'unité, nous qui étions un peuple sans Dieu, sans espérance, un peuple sans promesse, un peuple sans alliance, un peuple sans Dieu, sans Christ, sans parole, sans vie, un peuple dans les ténèbres. Oh Dieu, nous avons vu une grande lumière. Comme il est écrit, le peuple des Nephtaliens, Zabulon, le peuple qui était assis dans les ténèbres de la mort, ce peuple a vu une grande lumière. C'est vrai, Seigneur, que nous avons vu la lumière. Seigneur Jésus, sincèrement, avec des cœurs touchés, nous voulons cet après-midi sincèrement te dire merci. Quand nous voyons combien, Seigneur, un Dieu tel que toi, un Dieu très puissant, tout puissant, le créateur de toutes choses visibles et invisibles, c'est lui qui a créé les anges, qui a créé les choses visibles et invisibles. Oh Dieu, un Dieu qui est assis sur un trône très élevé, comment tu peux descendre sur la terre, venir te mêler à ton peuple, accepter la mort ignominieuse, accepter la mort honteuse à cause de nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour le sang de notre purification, le sang de notre alliance, le sang qui a vaincu les diables, le sang qui a vaincu la mort, le sang qui a vaincu la maladie, le sang qui a vaincu Satan, le sang qui l'a frappé, le sang de la victoire, le sang de la restauration, le sang de la perfection, le sang de la nouvelle alliance. Père, c'est pas le sang des taureaux et des boucs. Oui, Seigneur, le sang des taureaux et des boucs pouvait seulement couvrir les pécheurs. Quel est ce sang, Seigneur? C'est pas le sang d'un prophète, c'est pas le sang d'Abel, c'est pas le sang de Noé, mais le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Dieu lui-même qui a été versé pour les rachats de nos âmes, qui a été versé pour notre perfection. Seigneur, te disons sincèrement merci. Je prie, Seigneur, ce soir, que tu puisses réveiller ce peuple, afin qu'il comprenne sa position, afin qu'il comprenne ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà fait pour nous, afin qu'il entre, Seigneur, dans leur position, afin qu'il comprenne, Seigneur, afin qu'il marche pour entrer dans les positions, afin qu'il marche pour entrer en Canaan, afin qu'il marche pour entrer dans les corps, qu'ils soient baptisés, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs ce soir pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous voulons ce soir ouvrir nos cœurs pour être sanctifiés, Seigneur. Regarde dans ces bâtiments, oh Dieu bien-aimé, ceux qui ont besoin de la sanctification, Seigneur. Sanctifie nos âmes, sanctifie nos vies, sanctifie nos maisons, sanctifie notre être entier, Seigneur. Ceux qui sont déjà sanctifiés, baptisez-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus, afin que nous devenions participants de la communion de tes souffrances, afin que nous devenions participants, oh Dieu bien-aimé, de ta nature divine, Seigneur. Oh Dieu notre Père, nous avons écouté l'appel, nous appelons sous le sang. L'appel que nous avons reçu, c'est l'appel sous le sang. Notre religion, c'est la religion du sang. Nous sommes venus sous le sang. Une cellule de sang a été brisée et nous avons été appelés, Seigneur. Dans le sang, il y a la vie. Laisse-nous recevoir la vie qui est sortie du sang, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour la confirmation de ta parole. Merci pour la confirmation de ta présence. Honore ton nom, Seigneur. Le temps est venu, Seigneur, où tu dois honorer ton nom, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, je n'ai pas besoin que mon nom se fasse entendre, Seigneur. Mais j'ai besoin que ton nom, le nom de Jésus, se fasse entendre dans cette ville. Le nom de Jésus se fasse entendre dans cette Belgique, dans cette Europe, dans cette Union européenne. Au nom de Jésus, efface-moi, Seigneur. Mais que ton nom seul se fasse entendre, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour l'année 2014. Merci pour la visitation 2014. Nous te donnons 2015. Prends 2015. Prends 2015 pour toi. Que 2015 soit dans tes mains.
Que 2015 soit pour toi. Que 2015 soit ton année. Que 2015 tu fasses des merveilles. Que 2015, Seigneur, soit l'année de la grande onction, Seigneur. Que 2015 soit l'année du manteau d'Élie, Seigneur. Que 2015 soit l'année, Seigneur, où l'ange lui-même marche, Seigneur, encore, faisant des merveilles, ressuscitant les morts, ouvrant les yeux des aveugles. Oh Dieu bien-aimé, faisant marcher les paralytiques, sauvant les pécheurs, remplissant du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci mon Seigneur. Merci notre Dieu. Nous t'aimons de ta pression. Nous voulons t'acclamer cet après-midi. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence, notre Père et notre Dieu. Reçois les acclamations, reçois les acclamations, reçois les alléluia, reçois les alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 Dieu, sois béni, sois béni, sois béni, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es par choc autour du monde, Seigneur. Oh Dieu, bien-aimé, merci. Reçois la louange encore, reçois l'honneur au siècle et les siècles. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Nous t'acclamons, tes bénissons. Au nom de Jésus-Christ, bénis, Seigneur Jésus, les enfants, bénis les dîmes, bénis les offrandes,
mais qu'il est bon, qu'il va emporter ses tracons ce matin, qu'il soit prospère, qu'il prospère à tous égards, spirituellement, matériellement, Seigneur Jésus. Je les aime, Seigneur. Je les aime, Seigneur. Je prie pour eux, afin que tu les gardes pour moi, Seigneur. Je prie pour eux, afin qu'ils soient dans tes mains, leurs maisons, leurs enfants, leurs épouses, leurs maris, Seigneur, qu'ils soient dans tes mains, Seigneur. Qu'ils prospèrent, Seigneur. Que 2015, ils soient prospères. Que 2015, les rapporte un sourire. Que 2015, les rapporte la restauration de leur vie, de leur foyer, de leur maison, au nom de Jésus. Merci, notre Seigneur. Seigneur, gardez-nous humbles en ces lieux. Gardez-nous humbles, Seigneur. Donne-nous les respects pour les dons, les respects pour tout ce que tu fais, les respects pour tous les serviteurs de Dieu, les respects pour toutes les fonctions, les respects pour tous les dons divins, Seigneur, afin que nous puissions prospérer en nombre et nous puissions nous multiplier, Seigneur. Merci, notre Père. Merci, puissant vainqueur. Nous recommandons toi, toi, dans les noms de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Vous avez apprécié la parole de Dieu? Oui. Salut votre frère, salut votre soeur. Bonne année, mon frère, de meilleurs vœux, que vous bénisse, bonne année. Bonne année, nouvelle année, heureuse année. Il peut contacter le huissier avant de partir. Si vous n'avez pas dit ses clés, il peut contacter le huissier avant de partir.
prêche à 22h. C'est supposé qu'à 21h déjà 30, tout le monde est déjà ici, le mercredi. Nous commençons. Moi, je commence la réunion à 22h juste. Mais c'est supposé qu'à 21h30, même 21h, à cause des transports, il faut faire ça compliqué. Venez à temps, commencez à méditer, commencez à prier. À 22h, nous commençons les services. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien, c'est les communiqués aux autres aussi. Yeah.